Je vous remercie pour la qualité de vos interrogations et je ne suis pas peu heureux de me... Voyez avec M. Quatennens, ma vie privée ne vous regarde pas, madame. Sinon, on va parler de la vôtre aussi. Vous évitez de me toucher, là, les gens. Je viens juste de dire que vous évitez de me toucher. Abruti. Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire un demander, moi. T'es pas obligé de me péter mes fleurs, hein. Ah, quel crétin encore. Poussez-moi cette vermine. Je peux faire des photos, non? Je veux dois quelque chose. Mais je veux faire une photo avec vous. Je veux pas. Mais pourquoi? Je veux pas, connard. Mais c'est pas la peine de m'insulter. Dégage. Mais c'est pas la peine de m'insulter. C'est pas la peine de m'emmerder. Mais je vous emmerde pas, monsieur. Je m'emmerde. Je veux pas faire une photo avec toi. Pourquoi avec... Mais pourquoi vous voulez pas qu'on vous le dise? Je ne te dois rien, je ne te connais pas. Mais vous dites qu'on a le droit de filmer. Il y aura une révolution dans la télé. Non. Mais non, mais attendez. Parce que moi, c'est pas qui c'est qu'on assassinera. Ah ben, non, on assassinera personne. Mais non, mais non. Il n'y aura plus de respect. Quand on va vous supprimer un mot gilet à bois. Non, non, non. Non, droite, gauche, mélangée, vous ne respectez pas. Ah bon, attention. Bah, vous savez alors. Bien attention, on arrive à un point de rupture. On arrive à un point de rupture. Non, monsieur Mélenchon, ne pas. Mais voilà, c'est pendant deux heures que je vais rien te dire. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi on vous respecte pas? Juge ma vie à vous défendre. Non. Juge ma vie. Mais vous. Regardez-moi ce gros imbécile. Voilà. Exactement, on ne peut pas être sénateur. Oui, monsieur, vous êtes un gros imbécile. Parce que. Eh oui, mon bonhomme, on ne peut pas être sénateur et député en même temps. Oui, impoli. Et vous, vous êtes une. Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Mais si vous dites une bêtise pour induire les gens en erreur, regardez-moi dans les yeux, vous êtes un homme. Alors je gagne 40 000 euros, espèce d'imbécile. Ouais, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Dis-le voir. Comment tu le sais? Je te taperai pas. Tu es un crétin et c'est tout. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles. Oui, mais monsieur le président, je suis très flatté parce que vous avez une circonscription. Ça ne doit pas vous donner des ambitions à lui. J'ai l'impression que. Pourquoi vous n'avez pas appelé madame Merkel se promener un peu là? Alors, parce que vous avez raison d'aller à l'air. Bonjour. Madame la ministre, bonjour. Je suis là ce soir.